Ici, nous allions à la rencontre d'un lieu aussi majestueux que millénaire. Témoin des climats passés, détenant une biodiversité rare, la tourbière de Langazel est la plus ancienne de Bretagne, datant de plus de 12 500 ans. Située sur la commune de Trémaouezan, dans le département du Finistère, c'est un site naturel unique, passé aux sources de la Bervrac. À Langazel, le climat froid a façonné un paysage de toundra, où dominent herbes rases et marais. Issue d'un développement de plusieurs milliers d'années, la zone humide conserve en son sein un sol riche en matière organique. Formée de landes, cette tourbière permet d'absorber de grandes surfaces d'eau et de grandes quantités de CO2, principal responsable de l'effet de serre. La tourbière est donc un environnement bénéfique contre le réchauffement climatique en contenant environ 25% du stock mondial de carbone organique du sol. Il faut s'imaginer que avant, il y a beaucoup d'années, ici, on était plus sur un marécage avec des étendues de lacs, d'étangs, avec beaucoup, beaucoup d'eau. Et en profondeur, on a une couche qu'on appelle une couche limono-argileuse, donc un mélange de limon et d'argile qui rend, en fait, c'est une couche qui est imperméable à l'eau et qui empêche l'eau de s'infiltrer en profondeur. Et du coup, ça entraîne que le milieu est tout le temps inondé. Et le fait que le milieu soit tout le temps inondé, et bien, les végétaux vont s'accumuler, mais avec une dégradation quand ils vont mourir très très lente, et au fur et à mesure, du coup, on va avoir un sol qui est riche en matière organique, riche en fragments justement de végétaux, et du coup, on va avoir ce qu'on appelle justement un sol tourbeux, donc où quand on regarde, c'est un sol qui est très très sombre, très très noir, avec énormément de fragments de végétaux. La tourbière de Langazel n'a pas toujours connu sa tranquillité d'aujourd'hui. Donc il y a presque 45 ans, où en fait à l'époque il y avait un projet de construction d'un centre d'ordures ménagères ici à Trémaouezan, la commune où on se trouve, parce que le site de Landerneau commençait à être plein à ras-bord. Donc ils cherchaient un nouveau site, il y avait ce site-là qui était envisagé. Et les agriculteurs du coin et puis les habitants de Trémaouezan se sont un peu plaints du projet, ont fait des manifestations, pétitions. Et on fait appel à des scientifiques justement pour venir sur la zone, pour essayer de, justement, on était au tout début, justement, qu'on parlait d'écologie, hein, dans la fin des années 70, on commençait tout juste à parler de ça. Et on fait appel à des scientifiques et ils se sont rendus compte que la zone était très intéressante, qu'il y avait beaucoup d'espèces à forte valeur patrimoniale et même des espèces protégées. Une flore exceptionnelle protégée nationalement est présente au sein de Langazel. La Drosera à feuilles rondes et la Drosera à feuilles intermédiaires sont des plantes carnivores seulement présentes dans les tourbières à différents endroits du site. Ces plantes trouvent les substances nutritives nécessaires à leur développement en capturant des insectes. Leurs feuilles sont couvertes de poils rouges, sensibles et mobiles. L'insecte attiré s'approche et reste collé. La feuille se referme alors sur lui et le digère. Des traces de loutres ont été retrouvées sur le site de Langazel pour la première fois en 2010. Depuis, la loutre laisse des traces de sa présence sur le site, et plus particulièrement sur les rondins de bois, le long des cours d'eau. Le chevreuil, lui aussi, est présent dans la tourbière. Étant sédentaire, il restera toute sa vie sur son territoire, la zone humide étant un refuge pour lui. On est comme à plusieurs dizaines d'espèces protégées, que ce soit faunistique ou floristique, mais c'est très très large. Sans que ça soit protégé, mais par exemple en espèces végétales, on se rapproche bientôt des 400 espèces végétales sur l'ensemble de la zone. Par contre, en espèces animales, ça dépasse le millier d'espèces animales. Je suis tellement passionné en fait par cette faune sauvage que je souhaite montrer ce qui nous entoure et faire en sorte justement que les gens soient sensibilisés et les respectent, quoi. La fragilité en fait de cette nature-là, et cherche absolument à la respecter. Et pour la respecter, c'est la comprendre. Cette gestion de la zone consiste à assurer en priorité le maintien des espèces et des milieux naturels présents. L'association de Langazel a décidé de lancer une exploitation agricole de façon douce et raisonnée pour le maintien de la biodiversité de ce site. Aujourd'hui, l'association est garante de nombreuses bretonnes pinoires, une race emblématique de la Bretagne. L'association n'exploite pas ses vaches dans le but de produire du lait. Les pinoirs s'occupent de brouter les repousses de sol ou autres arbustes envahissants au sein de 7 hectares de la zone humide.
tout ce qui est les arbres, en fait, de coloniser les prairies et les landes, parce que c'est des paysages qu'on a de moins en moins, ces habitats de prairies et de landes, avec une biodiversité quand même assez exceptionnelle à l'intérieur. Et nous, on va essayer, grâce à l'agriculture douce et raisonnée, d'essayer de maintenir ces habitats, justement, de prairies et de landes, que si on ne faisait rien, s'il n'y avait pas d'activité humaine, par contre, ben, on n'aurait que de la forêt ici sur la zone. Donc c'est pour ça que, mine de rien, on peut préserver la biodiversité, mais avec une agriculture qui est adaptée. Ce qui prime, c'est surtout ne pas déranger l'animal. La bonne photo, c'est la photo où l'animal n'a pas eu connaissance en fait, de l'homme près de lui. Après, dans l'association, on essaye de préserver, au total, la zone a fait 270 hectares, donc on essaye de préserver ces 270 hectares en termes de biodiversité. C'est pas grand chose à l'échelle du monde, mais on se dit que nous, si on arrive déjà à bien faire ce petit rôle-là, on a quand même un petit sentiment de fierté et puis de travail bien accompli. Un circuit de randonnée de 8 km et un sentier d'interprétation ont été aménagés par l'association de Langazel afin de traverser et découvrir cette zone, mais c'est ainsi s'engager à préserver sa biodiversité. L'homme a un impact négatif sur la vie fragile de la tourbière. La pollution liée aux déchets plastiques n'est pas que visuelle. Elle détruit la qualité de l'eau, qui est la richesse de ce site. Chacun a sa responsabilité afin de préserver ce site naturel unique.